Nous créons un endroit où la prostitution de rue se passe dans un lieu fermé. Donc il y a une certaine discrétion pour les travailleurs du sexe et aussi pour leurs clients. Et il y a du personnel sur les lieux, des travailleurs sociaux, du personnel de sécurité, parce que nous voulons aussi contrôler ce business. Dans les cabines, il y a un bouton d'alerte et si vous appuyez, une lumière s'allume. Et dans la maison de Floradora, dans ce pavillon, on peut l'entendre. Et la cabine elle-même s'éclaire et ainsi nous pouvons voir si quelque chose se passe. Ce driving ne fonctionnera pas, soit parce que les clients ne viendront pas, soit parce que le site ne sera pas utilisé par les prostituées.